Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, au mieux, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le lundi, c'est unboxing avec la boutique Diamond Argif. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, ce sera du Diamond Painting et plus particulièrement, ce sera du DIY Diamond Painting. J'ai pris deux DIY. Oui, c'est ça. Bon, il y a mes mères, hein, comme d'habitude. Voilà. Bonjour. Bonjour mes mères. Bonjour ma fifi. Un bisou. Fais un bisou, maman. Non, tu veux des câlins. Tu fais pas de bisous? Non, elle ne veut pas le faire le bisou. Bon, bah tant pis. Ah, elle fait les bisous à la main. Alors, je vais le premier. Je vais me mettre face bureau, ce sera beaucoup. Oh, je suis coiffée comme un as de pique. je vais me mettre face bureau pour vous montrer ce que j'ai choisi. Si Fifi veut bien me laisser faire. Premier article. Bon, la boîte a un petit peu morflé, hein, mais ça va, ce qui est dedans n'a pas bougé. Alors, hop, 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 hop. Non, ce n'est pas un sapin. Ce n'est pas un sapin. Alors, on a un petit toolkit, hein, comme d'habitude. Et voilà, c'est une petite décoration à poser. Un peu dans le style des sapins qu'on a eu pendant les fêtes. Donc, avec le pied. Alors, je vais essayer. Voilà. Hop. Et vous le posez sur une table, sur un meuble. Voilà. Donc, avec des, un zozio. Voilà, joli zozio. Il y a sa cage derrière et plein de fleurs autour de lui. Voilà. Alors, bien sûr, le petit toolkit, je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Il y a une puce. Fifi, tu m'as refilé une de tes puces? Non, elle n'a pas de puce, hein, ma fifi. Non, non, non. Elle n'a pas de pupus. Elle prend ce qu'il faut pour pas avoir des pupus. Allez, je vous montre. Oh, ça brille, ça brille, ça brille. Oh, c'est joli. Je vous montre les strass. Voilà. Donc, des petites gouttes d'eau. Oh, ben là, j'ai un truc qui me pique depuis tout à l'heure. Voilà. Là, des yeux de chat, deux grosses perles. Alors, si c'est le 14, ouais, il en faut qu'une. Donc, ça va, j'en ai deux. Des gouttes d'eau, des strass, toujours des strass. Et hop, on a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Encore des strass, des bleus ciel, enfin des bleus clairs, des un autre bleu, des roses, des verts, des roses. Voilà, ça va briller de mille feux cette affaire-là. Ah ma fifi, ça va briller, hein. Oui. Alors, cette petite décoration. Ils appellent ça un décor de table, donc la cage à oiseaux, 8,99 $. Voilà, alors, hop, attendez. Ensuite, deuxième article. Alors, hop, on va tout vider. Alors, celui-là, il a une odeur. Ouh! Eh ben, voilà, il n'y a plus rien. Non, je crois que j'ai tout vidé. Alors, on a déjà un petit toolkit. On a des strass que je vais vous montrer. On a des ronds que je vais vous expliquer. Voilà, alors les ronds, donc on en a 6. Ce sont des aimants. Mais bon, c'est très, très, très fin. Donc je pense que moi je mettrai des autres aimants quand je les aurai fait, parce que ça, ça va, ça me paraît un peu trop fin. Moi j'ai des aimants comme ça. Attendez, je dois les avoir ici quelque part. Oui, ben, ils sont tous, vous voyez,
Et ça, c'est des plats, mais alors extra forts. Vous voyez, bon, j'en ai tout petit, petit, petit. Donc, moi, je mettrais plutôt des. Même, j'en ai même des rectangulaires. Je mettrais plutôt des comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Alors, tout ceci, ce sont des aimants de frigo. Voilà. Alors, je vous les montre. Petit colibri. C'est une série de colibris. Hein. Voilà. Bon, ils sont tous différents. Des fois, pas grand-chose, mais ils sont quand même tous différents. Hein. Voilà. Et le petit dernier, le voici. Ouais, c'est ça qui pue, c'est le plastique. Alors, on va agrandir. Vous voyez, c'est très très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Au niveau colle, je pense que ça doit aller. Alors, on va essayer d'en ouvrir un sans faire de bêtises. Bon, tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Oui, c'est les chansons de vieux, hein, quand on était jeune. Voilà, ça colle très bien. Comment il s'appelait, lui, qui chantait ça? Tu veux ou tu veux pas? Je crois que c'est Zanini qui chantait ça. Bon, les vieilles vont savoir de qui je parle, hein, les vieilles comme moi. C'est vieux, ça, Zanini, avec son petit chapeau. Allez, hop. Là, j'ai connu encore plus vieux un chanteur. Oh, je sais plus comment il s'appelait. Mais alors, lui, il était vieux. Enfin, ça remonte à... Oh! Mon Dieu. Allez, des strass, des petites gouttes d'eau, des yeux de chat, des strass, des strass, des petites strass. Oh, il est beau celui-là. J'aime bien. Et... Hop. Et les transparents. Voilà. Ça va être de pareil, ça va briller de mille feux. Alors, ce petit DIY avec 6 aimants réfrigérateurs Colibri, c'est à 5,99 $. Voilà. Bon, je ferai. Je vais certainement faire avec Chouchou, je pense. Je vais lui en refiler. Ou alors moi je ferai le grand et lui il fera cela. Oh, j'ai le nez qui gratte. Il y a quelqu'un qui a envie de m'embrasser. Peut-être Chouchou. voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu, là, les aimants à réfrigérateur. Voilà, je n'en avais pas encore pris. Mais c'est vrai que bon, les arrières d'aimants, là, c'est un peu... Un peu trop fin, je trouve. Là, bon, ça ira comme ça, mais avec le poids des strass, j'ai peur que j'essaierai quand même. J'en essaierai rien, mais oh là là, j'ai le nez qui gratte, ça m'énerve. Mais je pense que je ferai avec les aimants que je vous ai montrés. Voilà. Alors, je vais remercier beaucoup la boutique Diamond Archive. N'hésitez pas à aller voir hein, dans leur boutique, il y a plein plein de choses mais, qui se rapportent au Diamond Painting. Et moi, en attendant, je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!